voici connecté sur la fréquence un duo rolliste. Bienvenue Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde d'Ehana pour Donjon et Dragon 5 ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons Fossoyeur et ses comparses tombés sur un campement de réfugiés dans les tunnels du quartier Cyrillane. Comment gérer ainsi la recherche des morts vivants dans ce secteur Vous êtes accueillis entre guillemets par deux personnes qui sont juste devant les lumières puisque malgré tout, même sans faire de bruit, vous avez été un peu repéré avant et vous avez continué à avancer et tout donc ils sont. Ils sont plutôt là juste devant vous. La personne la plus donc en forme essaie de dire ne, ne, Que, que voulez-vous Non, non, nous, nous, nous ne voulons pas, pas d'embêtement Passez votre chemin ou il vous en cuira. Mais avec une voix plus éraillée et un peu stressée que ce que je viens de faire là. Qu'est-ce que tu fais Je réponds euh, de manière très stoïque Il nous en cuira ou il vous en cuira tu vois que le, la personne qui tient donc, euh, leur, leur gourdin, ils n'ont pas l'air très, très assurés. Donc, ils cherchent ces mots. On, on, on ne veut pas, pas t'ennuyer. Laissez-nous. Euh, Laissez-nous. Euh... Tu peux faire un jet de perception Oui. Ouh, euh, ouais, non. Euh, 10. 10 bon, Ça suffit juste pour ce que tu peux voir. Donc, euh, pendant qu'il part et que tu regardes un peu derrière, effectivement, on sort de campement. Donc... Euh, Vraiment, c'est une sorte d'assemblage de taudis et de choses comme ça, quoi. Tu repères qu'il y a l'air d'avoir, euh, vu ce logique que tu viens de faire, entre 10 et 20 personnes qui doivent être bon, dans ce secteur-là, quoi. Il y a l'air d'avoir des femmes, des enfants, des gens qui sont alités euh, dans un coin. Et voilà, quoi. Donc, euh, quand, quand je vois euh, des malades, donc là, je m'approche et dis calmez-vous. De toute façon, on n'est pas là pour vous causer du tort. Euh, nous sommes, en fait, à la recherche de quelque chose. Donc, je vous propose un échange de bons procédés. Je vois que vous avez des malades et je pointe euh, les gens qui sont allongés dans, dans le camp de fortune. Je suis médecin. Laissez-moi regarder et peut-être que je pourrais en traiter certains en échange de renseignements. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois qu'ils se regardent avec l'autre personne, s'échanger des regards. Est-ce qu'ils ont l'air malades, un des deux? Est-ce que tu veux faire ranger pour passer plus de temps ou tu... Non, non, juste comme ça, histoire, tu sais, quand ils ont euh, la peau jaune, ils ont un peu la jaunisse ou quelque chose comme ça, j'aimerais utiliser ça à mon avantage en disant, ben bah, vous, vous êtes malade, je sais que vous avez ça et ça peut être traité facilement. Ben, c'est pour ça que j'ai fait un peu ces descriptions avec tes habitudes, que des choses que tu as vues, euh, ils ont l'air euh, plutôt... Ils n'ont pas l'air familiques parce que tu me dis Si, si, sont... non, en constitution... Non, justement, ils avaient l'air, euh... c'est ce que je vais te dire, ils ont l'air d'avoir une constitution... Ils auraient été en forme, bien nourris, machin. Ils auraient des constitutions solides, bon gaillard. Sauf que ça, c'est le. Ce que toi tu vois, c'est le potentiel. Là, ils sont plutôt dans l'état famélique. Tu... Ce que tu as vu sur ta description, c'est tu vois que c'est des gens qui ont. Ils doivent manquer de. Ils n'ont pas mangé de. Pas d'hygiène, malnutrition, quoi. Ouais, ouais malnutrition. Ouais, Merci. Donc la malnutrition de plusieurs jours, euh, beaucoup de fatigue et de stress. Qui sûrement ils ne doivent pas beaucoup dormir avec des insomnies. Donc ils sont dans un état de stress et de fatigue important. Mais pas de maladie euh, particulière visible, quoi. Ce qui est peut-être pas le cas, effectivement, des, des gens qui sont peut-être alités, tout ça, quoi. Donc, euh, bah, donc je m'approche de manière. Euh, bah, j'ai quand même l'arbalète en main, parce que j'avais dit que j'avais une arbalète avec la torche, mais je la tiens pas pointée vers eux. Mais, euh, mais, mais c'est ce que je dis. Je dis écoutez, euh, on vous veut pas de mal, et on vous connaît pas, et, et ce qui vous arrive, euh, euh, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, j'ai besoin de renseignements, et si ça fait quelques jours que vous êtes ici, vous pouvez m'aider. Donc, euh, je vous propose un échange. D'accord. Donc, c'est pas Ro... tu vois il y a la deuxième personne à côté qui lui dit c'est pas Rovius qui, qui vous a envoyé alors. Et t'as le, le autre qui est au dessus qui fait tchut. Euh... D'accord, ça, ça nous paraît une, une bonne chance. Et puis, sans tu vois aussi que Isaac à côté vu ce que tu dis il a rangé son arme. Mais pourquoi il est con quoi Il faut pas qu'il range son arme. Ouais, c'est bah le, le garde. <laughs> euh, euh, donc euh, d'accord, d'accord. Euh, je ok, si, je, je veux bien, j'accepte. Ok, de, donc déjà je sais pas qui c'est euh, ce Revus et ça une fois de plus ça m'intéresse pas. En revanche euh, pas de coup foireux parce que peut-être qu'on s'en sortira pas mais il y en a quelques uns d'entre vous qui finiront aussi par les payer. On est d'accord. Il faut qu'ils baissent leur gourdin et d'accord, d'accord. Allez, on y va. Donc, euh, je me dirige d'un pas décidé vers... Euh... Alors, par contre, euh, comme on était dans les, dans les égouts, tu sais que j'ai un linge autour de mon visage, en fait. Donc, on ne me voit quasiment pas mmh. le visage. Ça peut... En plus, ça permet d'éviter, tu sais, des, des maladies des machins, un peu mmh, comme mmh. une sorte de masque. <laughs> euh, et j'ai toujours euh, mon, mon tablier euh, de, de cuir et, mmh. et, et mes gants. Donc, mmh. je m'approche du centre du campement et mmh. je commence, en fait, à faire l'inventaire de, ben, des gens malades. Tout simplement. Okay. Donc, euh, par rapport à la durée de la partie, à notre session, pour un euh, peu accélérer, je vais te faire un seul jet, en fait, faire deux jets, et euh, pour essayer de, 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 ouais, de raconter un peu tout ce que tu auras aura fait. D'accord On va faire un montage, en fait, tu sais, où on va les voir. Euh, ils soignent un, ils retournent l'autre, ils passent... Ouais. Ils... Donc, j'ai mon kit ça, de ristérie, ça, donc j'ai de, de quoi pour, euh, pour les soigner et tout. Donc, euh, j'utilise ça. Et, et le but, c'est les mettre en, confi en confiance quand même et les aider. Parce qu'après tout... Euh... Mais combien de temps tu veux passer à faire ça euh, J'ai pas de problème, je vais passer une, une heure euh, à les écouter, leurs bobos, leurs machins, euh, okay. leur donner des recettes et tout. C'est pas un truc que. Non, je le fais bien et consciencieusement, okay. mais ils ont, ils ont bien compris qu'en échange, j'ai euh, besoin de quelque chose et ils ont intérêt à, à me le donner en échange. Okay. J'ai besoin d'informations. Ok, donc euh, fais-moi dans ce cas, tu vas juste me faire un gil de médecine. Alors, gil de médecine, j'ai fait 9 et je rajoute ma médecine qui est 5. Ça fait 14. Ok. Donc c'est facile en fait. En gros tu regardes un peu tout le monde. Ils sont, ils sont 20. Euh, c'est 5 familles qui sont là. Tu as des familles avec des enfants et d'autres c'est juste un couple. un couple. Ce que tu repères c'est effectivement l'état de malnutrition de tout, de tout le monde. Et euh, parmi ceux qui sont alités, il y en a qui sont alités, parce qu'avec la malnutrition ils ont vraiment plus de force. Par contre tu en as deux qui présentent euh, une trace de maladie. Donc tu fait 14. Donc euh, t'es pas bien sûr de quelle maladie euh, quelle maladie ils ont par contre. Donc il y en a il y a au moins une personne qui a une, la bile des égouts, ça s'appelle. Mm -hmm. Donc ça c'est une maladie euh, qui est liée à bah avec le manger des choses des ordures des trucs comme ça enfin voilà cette une sorte de grosse gastro quoi. On va dire mm -hmm. la bile des égouts. La bile des donc égouts. Ça, a, ça ça se traite par euh, bah surtout pour avoir une bonne hygiène quoi et par contre on a donc l'autre celui que t'as pas réussi à identifier donc cette euh, en fait ils sont, ils sont deux c'est une femme et son enfant t es sûr qu'ils sont euh, l'enfant il a vraiment lui très peu les, les, pas les, très peu les symptômes mais la, la mère plus t as des sortes de, de de boules à certains endroits du corps qui sont apparues euh, et qui ça est-ce que ça pourrait être un signe de corruption corruption euh... la, la corruption oui bien sûr oui ouais, tout à fait ouais, la corruption ouais. tu penses pas ça Fait 14, donc tu penses pas que ce soit lié à, de la, à la maladie du chancre. La merci, une maladie chancreuse. Clairement, des gens qui seraient qui seraient pas bien informés pourraient penser que c'est la corruption. Toi, tu sais que c'en est pas. Par contre, tu n'es pas sûr de savoir exactement comme quel type de famille de maladie c'est. Toi, tu le classerais dans, le, dans la famille de la lèpre, mais euh, tu es pas sûr que ce soit ça. Et voilà. Et sinon, donc, tu as fait de ton mieux pour un peu alléger tout ça, mais or, enfin hormis pour cet enfant-là et cette femme. Qui auraient vraiment besoin de quelque chose pour les autres, c'est. Euh, bah en fait, il faudrait qu'ils sortent des égouts et qu'ils aillent euh, manger des choses, et voilà quoi. Ou s'ils doivent rester dans les égouts, qu'ils aient de l'eau claire et qu'ils aient de la nourriture, quoi. D'accord. Donc, euh, tous ces conseils-là, je les prodigue. Hein. Je leur dis, euh, bon, mais voilà, il faut que vous fassiez ça. Un peu comme, euh, comme une sorte de médecin de famille qui explique. Et donc, je dis spécifiquement, est-ce qu'il y a un, un chef, est-ce qu'il y a un leader euh, de famille ou quelque chose comme ça c'est quelqu'un qui a, a l'air d'avoir de l'autorité. Bah, le, euh, le grand leader, c'est celui qui c'est les deux qui qui vous ont parlé quoi au début. Donc okay. donc je, je, je prends je les prends à part. Et donc je, je comme si je faisais une sorte de bilan médical. Donc je dis bon, voilà machin, il a ça, machin il a ça, mais c'est pas gérable, mais il faut faire ça, il faut faire ça, essayer de essayer d'aller dans, dans tel près dans la ville, essayer d'arracher ce type de racines et mâcher les ça va le truc. Et je dis donc pour euh, pour la femme et son enfant. Eux par contre, c'est les cas les plus graves. Ne touchez pas ces espèces de protubérances parce que si ça se trouve c'est contagieux. Et il faut euh, ben il faudrait faire réellement euh, il faut il faudrait il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe sinon euh, il risque de mourir et en plus d'atroces souffrance. Euh, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous n'êtes pas en surface? Nous ne sommes pas en surface parce qu'on ne nous a pas laissé rentrer dans, dans la cité, et nous avons dû trouver... Euh... Donc avec les voix et enfin, leur, leur accent de parler, de suite tu sais que c'est des, des cyrillains, des Cyriliens, je ne sais pas comment on est dit quoi. Donc on a, on a fui le, les ravages dans notre pays, et euh, on avait la, la famine, ou alors on avait des troupes de mercenaires qui voulaient nous, nous enrôler, enfin c'était horrible, donc on est venu vers la cité franche, mais on nous a dit que ce n'était pas possible de rentrer, donc on on savait pas comment faire donc on a fait ce qu'on a pu on a trouvé un, un passeur qui nous a fait rentrer mais il nous a amené ici et au début il venait il nous venait assez régulièrement avec de la nourriture et là ça fait quelques jours qu'on a qu'on a plus de nouvelles de sa part et mais on sait qu'on peut pas sortir parce que sinon on sera on sera évacué en dehors de la ville et, et pour, pour tout notre groupe c'est 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 on veut pas mourir Okay. Ouais, euh, te raconte. Juste une question pour, euh, pour remettre du jeu. Il y a des contrôles d'identité en ville franche euh, bah, Avec l'explosion la... euh, de Cyrilène, euh, oui, euh, en fait on rentre plus en ville aussi facilement, hein, surtout pour les Cyriliens, quoi. Les autres moins, mais euh, les cyrilliens ils sont plus ou moins assez typés, certains, hein, c'est comme tout, il hein, y a des gens qui passent à travers les mailles. Mais oui, il y a des contrôles, et puis avec le quartier syrien qui a été euh, fortement contrôlé, euh, maintenant tu rentres plus euh, comme ça. Mais il y a quelques semaines encore, enfin depuis, le, ouais, depuis la chute de la dynastie euh, régnante, euh, il y a quand même eu une sorte de contrôle au niveau des afflux de réfugiés. C'est pour ça qu'ils ont été parqués euh, pour ceux qui pouvaient euh, dans le quartier Sirelan. Maintenant, il y a la suite des petites sœurs et tout ça. Mais ils essaient de réguler l'afflux, quoi. Donc, oui, il y a des contrôles. Ok. Donc, du coup, il, réellement, euh, s'ils sortaient. Parce que ça se trouve, c'est le passeur qui a essayé de leur faire peur, histoire de d'avoir un avantage sur eux mais non là non effectivement non réellement s'ils sortaient ils risquent de se faire expulser ouais donc c'est les sans papiers syriens ok c'est ça c'est c'est pas bien donc je fais écoutez moi je je suis pas je suis pas je suis pas prêtre mon rôle c'est pas faire du bénévolat je suis désolé ce qui vous arrive et en plus je le dis en syrien en plus puisque puisque c'est ma langue natale à moi aussi mais je comprends qu'il y a des familles et je comprends qu'il y a des malades. Donc je sors de, de ma poche une pièce d'or. Une pièce d'or complète. Je <laughs> lui donne. Je lui dis, vous allez prendre ça. Un d'entre vous, probablement le plus discret. Vous allez au marché, vous allez voir telle personne et vous achetez ça, ça et ça. Et donc en fait, je lui, je lui, je lui conseille d'acheter des choses simples mais qu'il peut acheter en grande quantité. Des patates des navets, euh, des bouts de viande, des machins, des trucs comme ça. J'ai dit, vous allez faire ça, et ensuite, vous allez ramener tout ça en bas, et vous en aurez assez pour quelques jours. Par contre, il faut que vous fassiez quelque chose, parce que telle personne, elle est malade, cette, cette dame-là, elle est malade, et ça, va, ça, ça risque d'être contagieux pour vous, et je veux pas que vous ayez à faire le choix de l'abandonner derrière pour pas, euh, pour pas être contaminé à votre tour. Est-ce que vous avez compris Alors, euh, Oui, oui, tu vois qu'il te regarde avec des... merci, merci, merci beaucoup pour ça. Oui, oui, on va, on va, on va faire ça. Une fois de plus, je ne fais pas du bénévolat. Hein. Donc, euh, moi, j'ai besoin non, de quelque non. chose de votre part. Oui, hein. oui, ouais, on, on fera ce qu'on peut pour vous aider. Par contre, aussi, ce que tu sais, toi, en leur donnant cette pièce d'or, effectivement, ça va reprendre une, une belle somme, entre guillemets. Mais euh, c'est pas dit que ça suffise à, à obtenir tout ce que tu as mis dans ta liste. Parce que tu sais qu'il y a une inflation des prix qui a augmenté dans le secteur. Non, mais là, il se démerde. Donc, hein. en une tout cas, voilà, non, mais voilà, je te le dis aussi pareil en termes de jeu, que tu sais que voilà, pour. Euh, voilà, juste que tu sais exactement ce que tu as donné. Ok. D'accord. Euh, ok. Donc, en fait, vous êtes assis sur une caisse et, euh, et donc, oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Merci pour le temps pris, merci pour ce geste. Euh. Voilà. Je suis à la recherche de créatures dans ces égouts qui attaqueraient les gens. Donc, c'est pour ça en plus que je vous en parle, comme ça vous soyez un peu sur vos gardes. Euh, des créatures qui sortent uniquement la nuit qui n'ont pas besoin de torches, donc ils n'ont pas besoin de lumière, et qui attaquent les gens. Est-ce que vous auriez entendu parler, depuis quelques jours où vous étiez là, de, ou entendu des bruits, ou en parler à d'autres gens qui diraient ne pas aller dans, ce, dans, dans tel secteur de égou, des égouts, parce que ça craint, ou quelque chose comme ça? Euh... Et réfléchissez bien, hein, ça, ouais, ouais, Ce renseignement, sais. il vaut euh, votre santé et une pièce d'or. <laughs> euh, tu vois qu'il y a il réfléchit, c'est la seule chose qui qu te répond, c'est que on avait entendu des bruits il y a quelques temps dans un coin des, des égouts, et je sais que Rovius devait aller voir, mais, mais comme je vous l'ai dit, après on n'a pas eu de nouvelles de sa part. Donc c'est la seule chose que je peux vous dire. Après on n'a pas du tout bougé de notre coin parce que justement on ne voulait pas se faire. Euh, capturé par la garde, euh, la vigence je crois qu'elle s'appelle ici, et, et qu'on soit expulsé, donc on n'a pas trop trop bougé et voilà, et on ne sait pas trop quoi faire, mais là avec euh, l'espoir que vous nous redonnez, déjà avec ça, ça va nous aider un peu. mais Voilà. D'accord. Et c'était où ce secteur exactement, où revu euh, donc, de aller euh, voir euh, Donc il t'indique exactement euh, comment y aller, quoi. Donc c'est pas très loin, en fait. C'est un autre embranchement. Vous allez à droite, il faut aller à la gauche, quoi. Mm -hmm. euh, c'est pas très loin, quoi. C'est pas très loin de quoi. D'accord. Et donc ils n'ont rien entendu de rôder euh, la nuit ou. Est-ce qu'ils montent la garde au moins la nuit Ou est-ce qu'ils dorment tous comme des bienheureux <laughs> euh, non, Mais en fait, je leur... qui... non, je ne leur pose pas la question. Ok. <laughs> euh, <'en> ok. <laughs> ouais. euh... Et votre passeur, vous... il s'appelle Review, c'est ça Oui. Ok. Bon, euh, merci. Euh, si vous entendez quoi que ce soit, vous allez... Est-ce que l'un de vous sait écrire euh, Oui. Donc, te dis, il te dit, a... il y a Egan qui, qui sait écrire, oui. D'accord. Donc, je sors un bout de craie de mon, de mon sac, que je donne, et je dis, s'il y a l'un d'entre vous qui entend des bruits ou qui voit quelque chose, vous allez aller, et je lui explique le chemin pour aller jusqu'à la bouche d'égout qui sort. Et côté égout, à l'intérieur de l'égout, mais sur le mur, vous allez écrire euh, exactement ce que vous avez entendu et où. Comme ça, nous, si on repasse, on verra votre message. D'accord, d'accord. Et vous allez faire, hein Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Tu vois que l'homme le, bon. le, qui vient, c'était en plus c'est le mari de la de la femme qui a, qui a, on va dire la lèpre. Donc euh, oui, 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 très bien. Et merci pour. Ouais, pas de problème. Allez, on y va. Et donc, euh, je, on repart. Ok. Donc vous allez vers, faites comment alors Vous repartez vers où ben, on on suit le chemin que nous a indiqué euh, le, okay. euh, le gars pour essayer d'aller dans, dans la zone où, qui a l'air un peu plus suspicieuse. Mm -hmm. euh, toujours Tout. le même principe. Euh, Isaac devant, moi qui tiens la torche, Cave derrière, sans faire de bruit et en regardant les traces euh, dans Alors, la... on va commencer par le jeu de discrétion et après un jet de perception. Ouf T'as deux ombres avec toi. Ah. Non, là, et vrai. en perception, il y a... a priori, il y aura juste. Ok. Mm -hmm. Alors, en discrétion, euh, c'est pas la panacée, c'est 13. Et ensuite, tu m'as dit perception, c'est ça Oui. Oh, la perception, c'est beaucoup mieux, parce que ça fait un, un 20, un Dirty 20. Un Dirty 20 Oui, ouais, ça veut dire 20 panacées. Ça veut dire pas, pas naturel. Hein. Mais bon. euh, Ok. Donc, euh, donc t'es celui qui à a priori fait le. Justement, je tiens la torche. C'est celui hein. qui est le. Voilà, t'es <laughs> celui qui le. voit nous avançons dans un secteur qui est un tout petit peu plus loin, qui paraît qu'il a la même type de disposition. Donc tout au dans, dans le noir, hein. il y a pas. C'est vous la seule, la seule lumière. Mais vous n'entendez rien de, de particulier. Par contre, l'endroit où tu arrives, effectivement, il y a ce que tu notes, il y a la présence de débris de pas mal de débris différents. Notamment, tu as une sorte de, de reste de grande caisse qui est là. Une reste de grande caisse. Ok. Ouais. C'est ce que tu vois de loin. Quoi. Après, il faut s'approcher pour voir ce que c'est un peu plus en détail. Quoi. Mm. Je sais que l'odeur euh, doit être énorme, très forte dans les égouts et ça ne pas être une odeur particulièrement agréable. Non, c'est clair. Mais j'imagine, et je l'ai peut-être déjà expérimenté d'ailleurs dans la nécropole quand je faisais mes explorations nocturnes, j'imagine que les morts vivants doivent sentir une odeur spéciale. Euh, donc, euh, est-ce que je sentirais, avec le jeu de perception que j'ai fait, est-ce que je sentirais cette odeur de mort dans les parages là, je constate que quand tu as fait ton jet de perception, c'est tout sens euh, ouais, tout ouais. sens confondu Pour l'instant, en tout cas, les odeurs que tu as senties, c'est plus lié à la, aux égouts, quoi, chose, quoi. Peut-être que si tu étais dans un endroit très spécifique, pile devant le truc, tu pourrais, entre guillemets, mais là, pour l'instant, non, t'as pas senti. Bon, mais au moins c'est une bonne éducation que si ça se trouve, ils sont pas à proximité. Mm -hmm. Très bien. Allons-y nous nous approchons discrètement de cette espèce de caisse cassée. Donc en fait en, euh, au final vous éclairez euh, une fin de un peu une sorte de cul-de-sac, on va dire, où il euh, y a juste au bout euh, du mur le, une sorte de petit trou mais tout petit où l'eau l'eau s'écoule quoi. Donc ça va être plutôt euh, effectivement un cul-de-sac pour les des humains. Avant Et que euh... tu les monstres, je dis à, juste pour te dire, je dis à Isaac de s'arrêter au début du cul-de-sac. Qui ouais. monte la garde. Comme ça, il y a okay. que Cave et moi qui rentrerons. Juste au cas qu'on se fasse pas euh, encercler et soit prise euh, de trucs. Ok. Mmh. Ok. Donc effectivement là, dans, le, dans cette zone-là, effectivement, donc le, là tu vois mieux, il y a effectivement y a une grande caisse qui est là d'avoir des choses dans la caisse et euh, tu vois des un peu derrière la caisse entre la caisse et, la, et le on va dire le mur final quoi, le mur du cul-de-sac. Tu vois la présence de D'ossements, peut-être de, de restes de vêtements, des choses comme ça. Ah, ben voilà quelque chose d'intéressant. Dis-je Est-ce que tu fais un jet de perception <laughs> pour fouiller le secteur ou autre ou. Euh... Ah, je fais même une investigation. J'ai pas okay, assez de temps. Ok, parfait. Et là, on est, c'est un cul de sac qui peut pas nous surprendre <laughs> par, euh, par le côté, quoi. Parce <laughs> qu'il y a le mur, c'est ça Oui, il y a des J'imagine que la caisse, elle est pas capable de contenir euh, un adulte. Je dirais un truc de taille adulte, c'est une caisse. Alors euh, c'est une très grande caisse donc euh, tu penses qu'elle fait à peu près euh, elle, elle si tu la, si tu la mets euh, dans le sens de sa longueur euh, en hauteur enfin hauteur on va dire comme ça donc elle touche pas le plafond et euh, elle est au moins elle fait au moins peut-être 3 mètres c'est énorme ah ouais quand même c'est une énorme caisse 3 mètres sur facile à mettre 50 et là elle est ouverte ou elle là elle est oui elle est elle est donc euh, au lieu d'être droite elle est inclinée sur le sol quoi et euh, c'est faire l'investigation, mais a priori oui, c'est clair qu'elle est ouverte. Cassée et... Donc ouverte. ce que tu es en train de ouais. me dire, c'est que si ça se trouve les monstres, ils sont cachés dedans. Donc on va <laughs> commencer par ça, très doucement, sans faire de bruit, on va essayer d'aller regarder s'il n'y a pas quelque chose dans la caisse. Et en fonction de ce que je vois, ensuite je me dirigerai plus vers les ossements, qui est ce qui est la partie qui m'intéresse. Ok. Donc est-ce que tu approches avec discrétion ou Ah oui, oui. Ah, Donc on oui. fait un petit jet de discrétion. Ouais. Hein. Allez. Est-ce que tu demandes à cave de t'accompagner ou t'es le premier à y aller ou... euh, Non, bon, je suis le qu premier. Qu'est-ce qu'elle fait, à lui, je... okay. euh, ben, J'imagine que soit elle me suit, soit elle reste derrière moi, mais. Ok, d'accord. regarde quoi. Donc, <laughs> te regarde. Discrétion, euh, je suis à 13, à nouveau. Ok. Et après tu me dis quoi Tu m'as rien dit. Mais ben après c'est investigation après. Ok, donc, mais ça dépend. Je me fais sauter dessus de, quand, ah, je, donc... quand je m'approche de la caisse ou. Non, non as, en fait euh, ah. tu t'arrives pour la caisse, tu, tu vois, la caisse est vide. Il a l'air d'avoir des pareil des restes de peut-être d'ossements ou euh, bouillasse dedans euh, en fait la, la caisse on va dire il y a un panneau qui a été ouvert quoi donc tu vois que le panneau a été euh, cassé et, euh, et donc il est sur un bout de un, un bout de côté quoi et effectivement quand as approché donc tu vois c'est vide et il y a juste ouais, ces restes euh, voilà. et euh, oui vu ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout une forte odeur à l'intérieur de mort et là, on est la nuit, hein, donc ça veut dire qu'ils sont actifs. En tout façon, on est au milieu du noir, donc euh, clairement... Euh, bon, c'est tricot voilà. comme réflexion. <laughs> non, mais c'est bien, c'est une de d'ambiance. Tu dis, attends, c'est les jours ou la nuit C'est bien, c'est excellent l'ambiance. Donc, investiguons, et essayons, essayons de cueillir des informations euh, sur la situation. Mm -hmm. où ça fait beaucoup de rimes en yon. Ouh. Alors, je fais 16 et je rajoute 5, ce qui fait Ouh. 21. Oula, magnifique. Donc euh, donc t'as fait un super jet donc t'as vraiment bien t'étais hyper concentré sur ce que t'as fait et tout. Donc la caisse tu vois qu'elle a été euh, elle a été forcée en fait. C'était forcé de l'extérieur. Ça a été ouvert de l'extérieur entre guillemets. Ça a commencé à être ouvert de l'extérieur avant que ça quelque chose qui était dedans entre guillemets s'en extrait. Ce que tu vois sur la caisse c'est qu'elle porte plusieurs symboles et euh, sur le sur un des côtés elle a un symbole donc, qui est très effacé et euh, sur le devant là où il y avait la enfin, là où ça a été ouvert entre guillemets il y a un symbole un peu plus gros qui est représenté, c'est pareil, il est aussi un peu effacé, il représente un dessin. Par contre, tu peux me faire un jet d'intelligence pour celui-là. Ou d'intelligence, euh, d'histoire, attends, c'est quoi Arcane, je sais pas. Mais... Non, pas Arcane, c'est plus euh, histoire. Histoire. Hum. histoire. De toute façon, c'est intelligence, pareil. Ok. Eh ben, je reconnais pas du tout, avec un magnifique 7. Ok. Donc celui-là c'est celui qui est le plus récent des deux des deux symboles et euh, même s'il est un peu effacé. Et l'autre chose que tu vois avec ton investisseur donc euh, oui les restes c'est des restes d'eau euh, humains qui ont été mâchouillés et mâchés un peu comme comme les autres. Voilà, dans c'est tout il y a que ça et forcément cette odeur de, de mort et de de moisie à, à l'intérieur de la caisse. Donc c'est l'endroit où ils viennent ou c'est l'endroit d'où ils viennent d'où ils viennent. OK. Donc on va faire plusieurs choses. Donc, je dis à Isaac que. On est probablement arrivé à l'endroit où les monstres sont. Donc, il faut qu'il fasse super attention. Et dès qu'il voit quelque chose, il faut qu'il nous dise qu'on se barre. Ensuite, je vais demander à Cave de tenir la torche. Et moi, je vais sortir du papier. Et je vais commencer à retranscrire tout ce qui est écrit sur la. Donc, les écrits et les. Et les dessins. Mm -hmm. ben, en tout cas, là, ce qu'on voit, de... qu voit sur ça. J'essaye de, de m'appliquer en écriture, histoire d'avoir, euh, par exemple, euh, essayer de voir si c'est des runes que je connais. Est-ce que c'est, par exemple, des runes d'invocation ou des runes de nécromancie mm. euh, Après tout, je fais, 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 une, fais une école de magie, donc euh, ça devrait être, si c'est des symboles qui sont connus... Tu peux me faire un test d'arcane si tu veux ah ouais, Parce que je t'ai fait un test d'histoire, mais tu peux me faire un test d'arcane. Donc avec... Euh, ouh, arcane, c'est beaucoup mieux. Arcane, c'est 23. Donc es sûr que ce, les, les dessins ne sont, sont pas du tout liés à, la, à cet univers-là de magie entre guillemets. Donc c'est pas, pas des runes en fait. Euh, non. Pas la... Donc en fait, ce serait plutôt euh, écrit dans une, dans une certaine langue qui dirait euh, importé par euh, Jojo Co mais dans une langue que je connais pas quoi. De... Ça ressemble plus à des symboles. Ça, ça ressemble plus. C'est pas, pas une langue, hein. c'est plus des symboles. Euh... Tu verrais ça plus comme des logos. Un logo, ok. Ouais, une, marque de... okay. okay ouais, une marque de quelque chose. Ouais. Je demande quand même à Cave qu'elle qu regarde parce que si, si c'est nat natif de, son, de sa région. Alors, euh, je reprends Cave. <laughs> Décidément, il faut encore changer de. Ça lui dit absolument rien. Petit. Euh... Ouais, ça me dit quelque chose, mais là, sur le coup, euh, non. C'est pas grave, je... on pourra demander, on pourra ouais. faire, rechercher à la bibliothèque. Tout à fait. Donc on sait qu'ils étaient là, donc il y a, cette caisse elle est arrivée jusqu'ici, quelqu'un l'a forcée au pied de biche, et les monstres en sont sortis. Ah d'ailleurs oui, effectivement de... tu trouves le pied de biche, tiens en te posant un truc effectivement, tu trouves le pied de biche. Ah ah, le pied de biche, euh... le pied de biche, bien, tiens j'avais pas ça un pied de biche, euh... je peux le récupérer, il est en est bon état ouais, ouais, Il est un peu abîmé maintenant mais tu peux, ouais, il est encore ça, va. tu peux le nettoyer un peu quoi. Ah du loot, ça y est j'ai trouvé du loot, j'ai un pied de biche. Ok je note que j'ai un pied de biche, je suis très fier de mon loot. Donc euh, quelqu'un est venu, il a trouvé cette, euh, cette truc là où il, où il a apporté la truc, il l'a ouverte, et ensuite on s'en sortit, dot dot dot, euh, des morts vivants, qui ont commencé à boulotter tout le monde. Et là ils sont pas là parce que, et puis voilà. D'ailleurs est-ce qu'il y a des traces de sang au sol, ou, ou sur les murs ou quelque chose comme ça parce que s'il y a quelqu'un qui a ouvert une cave et qui a, qu a un monstre qui est sorti pour le manger, ça a dû faire du sang quand même. Bah là t'en vois un peu dans la caisse effectivement là où il y a les os et tout ça quoi. Mm. D'accord. Et donc est-ce que est-ce est qu est que je vois des traces de passage récentes dans cet endroit-là Je veux dire avant nous. Bah. Si les monstres étaient là hier soir. T'as fait l'investigation, tu vois qu'il y a des traces mais c'est t'arrives. J'arrive pas à voir. Mm t'arrives pas vraiment à savoir ce détail là tu pourrais refaire un jet de pour être plus précis par rapport à ça c'est survie c'est ça survie ouais mmh. ouais ça me coûte Tandis que je regarde ça me coûte rien d'essayer je demande la à cave de se rapprocher avec la torche pour que je puisse mieux voir ok ouh je fais un magnifique euh, 14 en survie bah tu vois qu'il y a l'air d'avoir des mouvements réguliers récents mais ouais après c'est pas pas plus que ça quoi d'accord j'ai une idée. Dans mon inventaire, j'ai des pierres d'alarme. C'est mmh, vrai. Et si je me souviens bien, j'en mets une à un endroit et puis je l'active et puis quand s'il y a quelqu'un qui, qui s'approche, du euh, truc, ça, ça sonne à l'autre. Ouais, tout à fait. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais cacher une des pierres dans la caisse mmh. ou euh, au dessous de la caisse, plutôt au dessous de la caisse. Je veux pas que si quelqu'un parte avec la caisse, il y ait quelque chose. Mmh. Et je vais l'activer. Bon, on va partir et je vais l'activer. Et comme ça, s'il y a des monstres qui... Si ici, si il y a les morts-vivants qui reviennent, et eh bien la pierre d'alarme s'activera et on saura qu'ils sont là. Mm -hmm. Voilà, c'est ça que je fais. Et nous, étant donné l'heure et que ça doit faire quelques heures quand même qu'on crapahute euh, ouais. dans le truc, alors j'imagine que l'alarme, c'est une alarme silencieuse ou quoi Oui, c'est est pas... que, aff... que toi qui es... c'est okay, ouais. ouais. -ce que toi qui Ok, Donc c'est très bien. Est-ce que tu vas voir les, les traces au fond du la Ah, ah j'ai pas fait ça aussi Ah oui alors du coup non, avant là, de faire aller... ouais. Ah oui oui bien sûr je vais aller voir les traces au fond oui bien sûr Donc refaire un petit jet d'investigation dans ce cas-là Ouh j'ai fait un très bon jet à, à nouveau et je suis à 21 C'est pas mal ça Bah ben, ouais La classe La classe Donc euh, donc tu arrives à déterminer le nombre de corps. Apparemment as au moins des restes de quatre corps, euh, différents résidus en lambeaux de vêtements, des choses comme ça. Donc euh, des humains quoi. Pas de peut-être pas d'objets entre guillemets ou autre. S'il y avait des les objets, si peut-être là. Ouais c'est ça. S'il y avait des trucs comme ça, il y a plus rien quoi. Il enfin, n'y a rien ah. en tout cas. T'as que Je les restes des les vêtements, piézans. un truc comme ça. Euh, bah, non, je sais pas, peut-être que les personnes. je sais, je sais pas, non, effectivement, il n'y a pas de pas truc. Et fais-moi fait, un jet de perception. Est-ce euh, Juste avant de faire le jet de perception, est-ce que je vois, euh, tu sais, un, un abyss, un, une blouse, un t-shirt avec, tu sais, comme, comme on met pour les enfants, tu sais, les, les étiquettes avec les noms des gens Et puis il y aurait marqué. Et, chose dessus. Provio. <laughs> Provious, donc, Provious, non, Provio, Provio. Donc, non, effectivement, tu ne trouves pas de truc, mais peut-être qu'il y a des, des vêtements qui correspondraient à des gens qui seraient. Dans la typologie de restes de vêtements qu'il y a, effectivement, il y a des trucs qui ressembleraient comme à des vêtements de cuir que quelqu'un pourrait avoir quand, euh, voilà, type aventurier ou autre, et des, des résidus de euh, d'autres vêtements plutôt euh, tissus euh, simples pas parce que ça ferait religieux mais type euh, habits pas, pas de pas d'aventure quoi. Mm. Ouais. quoi. Ouais. Habits communs quoi. Ouais, capé communs, C'est ça. Alors je fais 18 en perception. Ok. Ça tombe bien. Et Cave euh, aussi, elle a fait un bon jeu Le seul qui a pas fait un bon jet c'est Isaac, c'est con. Uh oh oh. Après la découverte de cette caisse ayant contenu un, des morts vivants et des restes de corps, que va-t-il advenir Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement, abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web unduorolist.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci Bon jeu